orgueilleux qui fait le bien qu'un humble qui ne fait rien. On se voit Kambongo combien? Tu cherches combien d'argent par exemple? Parce que la tête 200 dollars. 200 dollars, Moukayo! Gaïmoko n'a pas eu sur place 1000 dollars. Ah non, il fait ça pour l'orgueil. Non. Au moins la vie de cette maman a changé. Nous aimons toujours critiquer. Nous aimons toujours critiquer. Mais c'est une leçon. Il y a combien de pasteurs qui font ça? Même en catimini. Il y en a combien? Est-ce qu'elle est de sa tribu? Cette maman-là, est-ce qu'elle a demandé ses origines? Mais il lui a fait du bien. Et c'est ça qui doit nous réjouir. Oh non, il n'a pas respecté sa dignité. Nous en convenons. Allez demander à la femme, maman, on a respecté ta dignité? Elle va dire, on a respecté. Toi qui respectes la dignité des femmes-là, tu leur as donné quoi? Par cette dignité-là qui est théorique. Tu dis ça, mais tu es tribaliste. Et puis, enfin, même ta critique là, tu critiques parce que Kabundji n'est pas de ta tribu. S'il était de ta tribu, tu trouverais des raisons pour justifier son acte. 200 dollars, Moukayo! Le pasteur, c'est un enseignant. Il a voulu montrer aux gens que demander plus, même Dieu fait ça. Tu vas chez Dieu, oh, donne-moi 200 dollars. C'est peu, les 200 que tu demandes, c'est peu. Demande plus. Et la femme n'a pas osé demander, mais lui a donné 1000. Les gens de son église ont donné 1200. La maman l'a sauté avec 2200. Déjà avec les 2200, déjà quelque chose. Elle demandait 200. Pour elle, 200, c'était trop. Mais on lui a donné 2200. Au moins, il ne peut plus vendre les légumes. 500 ressources sur Yamawana. Poto Yazana Binaka Yazabe. Kayo. Ata soki azota bona makolo kulue. Agayo. Ça va. Papa l'obéit à son accélé 500 et ça la 2000 dollars. Ma PC paye 100 dollars, 2100. Ma PC montre la collade. 5 Maputa. Maman, pèse gourmette à chaînette, gourmette à or, na 50 dollars. Et vous critiquez, vous en êtes incapable. Mieux vaut un orgueilleux qui fait le bien qu'un humble qui ne fait rien. Toi, tu es humble. Tu veux manger aujourd'hui de l'humilité. Tu veux prendre ton humilité, aller avec au marché, acheter la viande. Dis à ton voisin, avec ton humilité, là, je peux payer une chemise. Cette maman est devenue propriétaire. L'orgueil, entre guillemets, de Kabunjoualessa a donné à la maman là une maison avec des locataires. Ton humilité à toi a donné quoi à qui? C'est ça qu'on demande au chef de l'État. Si nous avons des chefs de l'État, des présidents, des gouverneurs orgueilleux, mais nous serons bien. Donc ils peuvent faire des choses par orgueil, mais nous en profitons. Par orgueil, je prends mon salaire et je le consacre qu'on arrange la route Mbujimayi Kananga avec mon argent. Par orgueil. Mais nous allons profiter. Sur cette route-là, si vous marchez, vous allez vous casser les jambes. Votre véhicule va connaître la crevaison parce que ça a été donné par orgueil. Amen. Dis à ton voisin, si tu es orgueilleux et tu as quelque chose à me donner, donne-moi. Apprécier. Dit oui, c'est bien, mais il aurait pu faire ça. Mais au moins, je me réjouis quand même. C'est ce que Paul dit. Paul dit, il y a des gens qui prêchent pour me créer des problèmes, mais je suis content pourvu que Christ soit annoncé. Les gens des biens voient le positif. Les mauvais voient toujours le négatif.